professeur diplômé des programmes de doctorat premier cycle en pharmacie, de la maîtrise en pharmacothérapie avancée, de la maîtrise et du doctorat en sciences pharmaceutiques. En organisant ce rassemblement virtuel, je souhaitais à mon nom personnel et au nom des membres du personnel de la faculté souligner l'obtention de votre diplôme. Je ressens une énorme fierté en m'adressant à vous aujourd'hui, car vous, au cours des dernières années, vous avez déployé tant d'efforts et fait de nombreux sacrifices pour atteindre votre objectif. Vous êtes aujourd'hui des pharmaciens et des pharmaciennes en milieu communautaire, professionnels de la santé de première ligne, des pharmaciennes et des pharmaciens en établissement de santé qui veillent à soigner les plus fragiles et des maîtres et des docteurs qui contribuent à faire évoluer le médicament sous toutes ses formes. Et comme vous l'avez certainement remarqué, je n'ai pas utilisé le terme « fin de parcours » car je sais pertinemment que nous nous reverrons. Nous reverrons lors de votre collation des grades, mais aussi dans le cadre de programmes complémentaires auxquels vous vous inscrirez, d'activités de formation continue auxquelles vous participerez ou encore lors des différentes activités facultatives. Chers diplômés, recevez mes plus sincères félicitations et sachez que vous faites à jamais partie de la grande famille de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Chers étudiants et étudiantes, je tenais à vous féliciter chaleureusement pour votre parcours. Faire des études en sciences pharmaceutiques n'est pas une mince affaire. Ainsi, vous faites partie des 5 étudiants à la maîtrise et des 7 étudiants au doctorat qui avaient diplômé depuis l'été 2. Et je tenais à vous féliciter. Vous avez acquis évidemment des compétences techniques au laboratoire, scientifiques, conceptuelles, mais également des aptitudes transversales qui vous seront essentielles dans la poursuite de votre carrière, que ce soit en gestion de projet, en analyse critique, en communication scientifique ou en utilisation de la méthode scientifique pour la résolution de problèmes. Vous avez toute mon admiration. Je souhaite que votre carrière se déroule à votre satisfaction et j'espère vous revoir très, très bientôt. Encore une fois, toutes mes félicitations. Bonjour, chers diplômés du programme. En mon nom personnel et au nom de tous les enseignants que vous avez côtoyés, ainsi que les pharmaciens superviseurs dans les établissements de santé, nous tenons à vous féliciter pour la réussite de votre programme. Votre travail constant vous a permis de relever les nombreux défis avec brio. Votre engagement a été palpable dans toutes les activités du programme, que ce soit à la session de cours ou durant votre résidence. Vous pouvez être fier de l'obtention de votre diplôme. Je vous encourage à être des acteurs de changement. C'est à vous d'agir à titre de superviseur et de nous aider à former la relève. Je vous souhaite de vous épanouir dans votre profession de pharmacien d'établissement. Bon début de pratique et au plaisir de vous revoir! Bonjour, chères finissantes et chers finissants. Ça me fait très plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui comme directrice de programme, mais également comme enseignante et comme pharmacienne. Je suis très fière de vous voir compléter un programme comme le doctorat de premier cycle en pharmacie, qui est un programme qui est très exigeant, très chargé, que vous avez réussi avec grand succès. J'ai été très fière de vous voir progresser pendant tout le programme, de savoir qu'aujourd'hui, vous êtes des pharmaciens compétents, prêts à pratiquer. Vous avez eu toute une fin de programme. Je vous félicite pour votre grande résilience dans cette période-là. Vous y êtes arrivés. Je vous félicite. Je vous souhaite beaucoup de succès, mais surtout beaucoup de plaisir dans votre carrière. J'espère avoir la chance de vous revoir prochainement. Donc, félicitations et puis prenez bien soin de vous. Chers finissants, finissantes, bravo. Ça y est, vous êtes pharmacien et pharmacienne. Je vous félicite. C'est un honneur de vous accompagner. Vous êtes maintenant rendu à vous déployer dans tous les secteurs de la profession, au service des gens, parmi les plus vulnérables dans certains cas. Alors, je vous souhaite bonne route. Le jour est à la fête et voici ce que je vous souhaite. Aujourd'hui marque la fin de votre programme d'études à la Faculté de pharmacie. Vous avez maintenant en main les connaissances et l'expérience nécessaires afin d'exercer la profession
dont vous avez rêvé. Nous espérons que vous entamez cette nouvelle étape de vie avec des projets plein la tête, tout en emportant avec vous votre bagage d'amitié et de souvenirs. Vous méritez notre admiration pour tous les efforts et l'énergie que vous avez mis dans vos études au cours des dernières années. Vous pouvez être fiers de cet accomplissement. En tout cas, nous, nous sommes fiers de vous. Félicitations pour votre diplôme. Au plaisir de vous revoir prochainement à la faculté. Votre faculté. Chers étudiants en pharmacie, en direct de ce lieu enchanteur, j'aimerais vous transmettre mes plus sincères félicitations. Une très belle carrière, enrichissante et pleine de satisfaction, vous attend. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en pratiquant la pharmacie et j'espère que vous garderez en affection la faculté de pharmacie. Vous serez toujours les bienvenus à votre alma mater. Au plaisir de se recroiser.